On a passé un été fabuleux, mais tu peux t'envoler. Envole-toi. Va vers de nouveaux horizons. Bon, vous êtes tous témoins. J'ai voulu lui rendre la liberté. Il ne veut pas, il préfère rester avec moi. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo particulièrement excitante pour ma part, parce qu'il va s'agir du fameux Pumpkin Autumn Challenge. Et bon, sans vous mentir, cette intro est juste un gros leurre. Non, nous ne sommes pas du tout en automne. Moi, je filme cette vidéo, j'ai mon ventilateur juste à côté de moi parce que j'ai chaud avec cette robe que j'estime un peu automnale dans le temps. J'ai fait l'effort du petit make-up automnal, voilà, mais concrètement, je suis en train de crever de chaud. L'ambiance automne est tellement pas crédible. Mais on s'en moque, voilà, c'est la magie de YouTube, c'est la magie des images, on peut faire gober tout ce qu'on veut, donc voilà. Bon, blague à part, j'ai réellement quand même installé mon décor d'automne. On va dire que je me leurre moi-même. J'arrête mes bêtises, je vais prendre mes petites pilules pour me calmer, et c'est parti. Ceci dit, parenthèse, ma passion d'Edwige a quand même des proportions un petit peu alarmantes, hein. Ça c'est mon passeport. Mais bon, pour ma défense, c'est ma meilleure pote qui me l'a offert. Voilà. Et Edwige, il vient d'une boutique spéciale Harry Potter que j'ai trouvée cet été en vacances au Sable d'Olonne. Voilà. Donc c'est le cadeau que mon copain m'a fait. Bon, allez, un peu de sérieux, hein, parce qu'on n'est pas là pour déconner. On est là pour parler livres. Donc, c'est parti mon kiki. Je vais vous faire comme l'année dernière. Je vais vous mettre les jolies petites photos qu'a fait le terrier de Guimauz. D'ailleurs, je vous mettrai son lien. Alors, je vous mettrai le lien de sa vidéo de présentation, de sa palle et également de son blog qui vous explique bien en détail le challenge. Donc voilà, tout ça c'est en barre d'infos. Et donc voilà, je vous mets sur le côté les petites images des menus qui sont toujours très agréables à regarder. Et on va démarrer ensemble donc pour ce challenge de lecture spéciale automne qui me fait toujours très très envie chaque année. C'est un régal, même si ça fait que 2 ans que je le fais. Donc je vous rappelle très brièvement, hein, parce qu'elle le fait vraiment avec moult et détails, que le Pumpkin Autumn Challenge, c'est un challenge où vous pouvez valider des menus, valider les catégories. Donc chaque menu contient 4 et certains 3 catégories. Ouais, il y a un menu qui a 3 catégories. On vous présente des mots-clés, vous choisissez un bouquin en fonction des mots-clés et vous constituez ainsi votre palle. Alors il y a plusieurs façons de valider son challenge, mais encore une fois, je vous renvoie à la chaîne de Guimauz, à son blog qui vous explique tout ça beaucoup mieux que moi. Donc pour le menu automne frissonnant, premier menu, avec la catégorie je suis Médée vieux crocodile, donc là on a comme mot-clé trahison, thriller, policier, horreur et épouvante, j'ai choisi de prendre Surface d'Olivier Norek. Voilà, vous n'êtes pas sans savoir si vous suivez mes vidéos, d'ailleurs je vous renvoie à la dernière ici, que je me suis procuré cet été, donc il est très très récent dans ma bibliothèque et j'avais très très envie de le lire, donc je vous fais pas de résumé parce que j'en ai déjà fait un la semaine dernière, donc ça va être un petit peu redondant, mais c'est un thriller, donc écoutez, pour moi il rentre parfaitement dans cette catégorie. Donc voilà, je vais m'attaquer à celui-ci en premier lieu, enfin en premier lieu, je lis un peu dans le désordre, hein. Mais bon, voilà, pour ma première catégorie, ce sera celui-ci. Deuxième catégorie, les chimères de la sylve rouge. Et là, en mot-clé, nous avons gothique, vampire, créature de la nuit. C'est dommage parce que je l'ai reçu 2 jours après vous avoir fait le book haul. J'aurais pu le mettre dans mon haul, mais c'est pas grave, voilà. Donc j'ai sorti les sœurs Carmine d'Ariel Holtz. J'espère que je prononce bien son nom. Donc pourquoi? Parce que bah on est un peu dans l'univers Tim Burton, donc univers assez gothique, donc on rentre très bien là-dedans. Et cette fois-ci, on va suivre les aventures de la plus grande des sœurs Carmine, qui est, comment s'appelle-t-elle, Tristabel Carmine. Et là, je vous lis le résumé. 3 semaines séparent Tristabel Carmine du grand bal de la reine. 3 semaines pour trouver, pardon, la robe de ses rêves. Un masque, une nouvelle paire d'escarpins et aussi un moyen d'entrer au palais, car Tristabel n'a pas été invitée. Mais ça, c'est un détail. Tout comme les voix dans sa tête ou cette minuscule série de meurtres qui semble lui coller au talon. En tout cas, elle ne compte pas rater la fête. Quitte à écumer les bas-fonds surnaturels de grisaille, frayer avec des criminels, travailler dans une morgue ou rejoindre un culte. S'il le faut, elle ira même jusqu'à tuer, qu'ils ont barré dans le résumé, demander de l'aide à sa petite sœur, car Tristabel Carmine est une jeune femme débrouillarde, saine et équilibrée. Ouais.
Ne laissez pas ses rivales ou ses admirateurs éconduits vous convaincre du contraire. Ils sont juste jaloux, surtout les morts. Donc là, comme je vous disais, on suit les aventures de la plus grande des sœurs Carmine, qui est complètement frappadingue. Et voilà, j'avais vraiment hâte de suivre ce personnage-ci. J'avais beaucoup aimé le tome 1. On voit les trois sœurs, hein. Mais là, voilà, c'est vraiment focus sur celle-là. Et mais écoutez, ça va passer comme un petit cookie trempé dans du chocolat chaud. Voili voilou. Ensuite, pour la troisième catégorie nommée les supplices de Belladone, nous avons comme mot-clé un livre à la couverture noire. Tout simplement, j'en avais pas 36 000 et c'était le moment de sortir ce gros bébé de Maxime Chatham, le Signal. Que voici, donc écoutez, je l'ai commencé hier soir, j'en suis à là. Ça fout un peu les piquettes, hein, autant vous le dire. En même temps, quand on lit le résumé, rien d'anormal. La famille Spencer vient de s'installer à Manningham Falls. Bon, du coup, ça me souffle, donc moi je dis Manningham Falls. Jusqu'ici, tout va bien, un vrai paradis. Si ce n'était ces vieilles rumeurs de sorcellerie, ces communications téléphoniques brouillées par des cris inhumains, ce quelque chose d'effrayant dans la forêt qui pourchasse les adolescents et ce shérif complètement dépassé par des crimes horribles. Avez-vous déjà eu vraiment peur en lisant un livre? De toute façon, l'auteur nous met bien dans le bain, hein, dès le début. Il nous dit en gros de lire ça dans le noir, à la lueur d'une chandelle, quelque chose comme ça. Et ce que j'aime bien en plus dans ce genre de livre, c'est qu'on a une carte de Manningham Falls que voici. Donc voilà, moi j'aime bien quand il y a une petite carte. En plus, j'aime bien comment elle est dessinée. Donc comme je vous dis, je l'ai commencé. Effectivement, c'est un peu gore, hein, mais très plaisant. Ça rentre parfaitement dans le thème couverture noire. On est aussi parfaitement dans tout ce qui est ambiance thriller, horreur et compagnie. Donc voili voilou. Ensuite, pour la quatrième et dernière catégorie de ce menu, nous avons Esprit es-tu là ? En mots-clés, fantôme, fantôme du passé, famille, historique, classique. Et là, j'ai choisi de mettre Caraval de Stéphanie Garber, que voici. Donc, je vous en ai aussi parlé dans mon précédent haul. Donc, voilà, je vous renvoie à la vidéo pour avoir le résumé. Quoique, je ne sais pas si je l'ai fait le résumé. Mais en gros, bah écoutez, vous savez quoi, je vais quand même vous lire dans le doute pour que vous compreniez pourquoi je l'ai choisi. Scarlett et sa petite sœur Donatella n'ont jamais quitté l'île où leur père, un homme cruel et tyrannique, les retient captives. À 17 ans, alors qu'elle est sur le point d'être mariée à un inconnu, Scarlett reçoit une lettre de légende, le maître du jeu Caraval. Cette année, Caraval aura lieu sur l'île des songes et Scarlett est invitée. Depuis toute petite, elle rêve d'assister à ce jeu légendaire et fabuleux. Aidée par Julian, un mystérieux marin, les deux sœurs s'enfuient. Mais à leur arrivée sur l'île des songes, Donatella est kidnappée par légende. Scarlett entre alors dans Caraval avec Julian. Si elle ne retrouve pas sa sœur avant que les 5 nuits du jeu soient écoulées, celle-ci disparaîtra pour toujours. Donc pourquoi j'ai choisi ce roman-ci? Tout simplement parce qu'on a le mot-clé famille, et que là c'est l'histoire de deux sœurs. Donc pour moi, il rentrait parfaitement dans cette catégorie-là. Passons maintenant au second menu qui est Automne, douceur de vivre. Alors lui, il me semble aussi qu'il y était dans le challenge de l'année précédente. Avec comme première catégorie, il fait un temps épouvantail. Et là, on a comme mot-clé Halloween, Samhain, Automne. Alors j'ai un petit peu galéré. Parce qu'en fait, j'ai fouillé ma pâle, tout ça, et j'ai pas vraiment trouvé de roman qui se passe réellement, on va dire, à la période de l'automne, ni avec comme thème Halloween, du moins pas des livres que je n'ai pas lus, hein, comme je vous dis. Donc du coup, bah, écoutez, j'ai choisi de ressortir cette petite chose de Laura Helen Anderson, que j'ai toujours pas lu, qui faisait partie de mes lectures VO. Je vous renvoie à la vidéo consacrée à ceci. Et bah écoutez, voilà, une petite sorcière. Alors en plus, ce livre est en VO. Ah, Sherlock, tu me plantes tes griffes. Ah, il m'a tué la cuisse. Mais ça va pas. T'es possédée ou quoi? Donc, petit ouvrage en VO. J'en ai deux, hein, d'ailleurs. J'ai deux volumes. Je me suis claqué l'épaule en dormant. J'ai super mal pour me tourner. Je crois que j'ai deux. Non, pas du tout, j'en ai qu'un seul. Je me suis fourvoyée moi-même. Donc, écoutez, il y a des citrouilles. Hein. Il y a tout ce qui évoque l'univers halloweenesque et compagnie. Donc là, voilà, hein, je vais pas vous lire le résumé parce que j'avais avoir du mal à le traduire là tout de suite à l'instant T. Mais en gros, c'est un livre jeunesse avec Amelia Fang, petite sorcière là, en personnage principal,
qui va devoir aller secourir la reine Queen Fairy Weather, la reine du temps féerique, je sais pas. Donc bref, voilà, je vous en parlerai beaucoup plus en détail quand je l'aurai lu. Ensuite, pour la catégorie siroter un chocolat chaud sous les saules, nous avons comme mot-clé anthropomorphisme, enfance, feel good, cocooning. Donc là, c'est un petit peu, voilà, quand elle dit cocooning, elle l'a bien spécifié. Ça peut être également un thriller, peu importe, tant que c'est une lecture qu'on aime. Voilà, donc si notre kiff c'est le thriller, et bah libre à vous. Et moi j'ai choisi une romance qui est 6 ans à t'attendre de Delphine Giraud. Alors lui, je vous en ai parlé plusieurs fois, j'avais vraiment vraiment envie de le lire, j'ai mis du temps à mettre la main dessus. Donc écoutez, voilà, c'est une romance, ça n'a rien à voir avec, avec l'automne ou avec le... Quoique, est-ce qu'on peut dire que la couverture avec le tronc d'arbre, ça peut le faire? Why not, si on veut quand même pousser le vice jusqu'au bout. Mais voilà, peu importe, c'est une romance que je voulais lire depuis très longtemps, donc écoutez, je l'ai calée là. Rachel et Vincent s'aiment depuis leur adolescence d'un amour passionnel et indéfectible. L'avenir leur semble tout tracé jusqu'au jour où, l'avant-veille de leur mariage, Vincent disparaît. On retrouve sa moto accidentée sur le bord de la route, mais pas de corps. 6 ans plus tard, Rachel s'est reconstruite. Elle sort d'un rendez-vous de travail quand, au détour d'une rue, elle l'aperçoit. Vincent. Persuadée que l'homme de sa vie est bien vivant, Rachel se lance à sa recherche, avec une unique question obsédante. Se pourrait-il que toutes ces années de deuil l'aient été pour rien? Ça m'a toujours intriguée. Ce roman m'a toujours intriguée. Donc écoutez, voilà, c'était le moment or never. Ensuite, nous avons la catégorie « Va finir ton assiette, sinon pas de piécette ». Et là, nous avons en mot-clé « Créatures légendaires et fantastiques, petit peuple, féerie, conte, légende et mythes ». Alors là, pareil, c'est un livre que j'ai reçu en même temps que les Sœurs Carmine, 2 jours après avoir filmé mon book haul. C'est pas grave, il faisait partie des séries que je voulais lire, donc je vous renvoie ma vidéo ici. Je vous avais dit hein, que ça y passerait pour le Pumpkin Autumn Challenge. Voici les contes interdits, et ça c'est Blanche-Neige de L.P. Sicard, et c'est aux éditions, j'ai pas précisé pour les autres, c'est les éditions Ada édition. Donc ça c'est toute une série de réécritures de contes version morbide et macabre, donc je vous lis le résumé. Une femme coupable d'un crime dont elle n'a plus souvenir, une évasion vers une forêt où la noirceur ne vient jamais seule, la découverte d'un manoir abandonné aux secrets bien cachés, des bougies qui s'éteignent, des ombres qui se lèvent, des objets qui se déplacent d'eux-mêmes et des coups qui résonnent contre la porte avant qu'on ne la défonce. Cette sombre réécriture du conte classique Blanche-Neige et les Sept Nains est un plongeon dans les eaux noires et visqueuses de la démence, du complot et du meurtre. Un pas angoissant dans les ténèbres d'un passé oublié d'où les horreurs surgissent sans bruit ni cri égard. Il est déjà trop tard pour reculer. Que fuirez-vous d'abord, le présent ou le passé? Ça vous fait pas penser un peu à The Ring, la couverture? Ça faisait un bail que je voulais me lancer dans cette série des contes interdits. L'une de vous m'a mis en garde sous ma vidéo d'ailleurs où j'en parlais, comme quoi que si je supportais un peu le gore, tout ça, bon, j'allais aimer. J'attends de voir. J'attends de voir. Mais j'avoue, c'est une des lectures qui m'excite le plus dans ma pile à lire. Ensuite, dans la catégorie de ce menu d'automne douceur de vivre, nous avons A Window to the Past, avec comme mot-clé sorcière, magie, sorcier, ouais, sorcière, sorcier, magie, SFFF. Donc, science-fiction, fantastique et fantasy. Et là, j'ai pris un truc tout mimi que j'aurais pu aussi prendre pour Noël, mais non. C'est aussi un roman jeunesse en anglais. Il s'agit de Witch for a Week de Kay Umansky et illustré par Ashley King, et c'est aux éditions Simon & Schuster. Donc voilà, pareil, hein, j'en avais déjà discuté dans ma vidéo sur mes lectures VO. Alors, je vous cache pas, j'ai un petit peu la flemme de vous traduire le résumé, mais voilà, vous me pardonnerez, j'en suis sûre. Je vous en parle de toute façon très prochainement, voilà, pour le bilan de ce Pumpkin Autumn Challenge. Mais voilà, la couverture est trop mignonne. C'est trop choupi, je craque de toute façon sur les... sur les livres en anglais, surtout pour les enfants. Donc voilà, ça va être super. Bon,
mot-clé sorcière, hein, on est dedans. Et on a fini pour ce menu, donc passons à l'autre menu qui sera le dernier. Donc il s'agit de Automne des Enchanteresses avec en première catégorie les rêves d'Aurore. Et là il faut choisir un livre qui a un lien avec la communauté LGBTQI+, ou le militantisme. Alors écoutez, moi j'ai choisi, je me suis tâtée, hein, il y avait deux livres qui pouvaient rentrer là-dedans, et également dans une autre catégorie, du coup j'ai goupillé ça comme ça. J'ai choisi de mettre Ma vie de monstre que voici, donc j'en ai parlé dans mon dernier book haul, hein, il est tout récent, je voulais vraiment le lire. On parle de l'histoire vraie donc qui a inspiré le conte La Belle et la Bête. Et moi pourquoi j'ai choisi donc de mettre ce livre-ci dans cette catégorie, parce que tout à la fin, petite note, l'histoire unique d'une jeune fille luttant pour que sa différence ne soit pas une malédiction. Donc voilà, pour moi il y a quand même une lutte contre la différence, donc pour moi ça peut rentrer dans le militantisme, arrêtez-moi si je me trompe, mais voilà, en tout cas pour moi ça me parlait dans ce sens-là. Donc écoutez, je suis très très curieuse de lire ce livre. Je crois même que peut-être je vais faire une pause dans Le Signal à un moment donné et je vais l'attaquer parce qu'il est tout petit. Donc je vous en parle bientôt. Pour la deuxième catégorie, Sarah Bernard, Monstre Sacré, nous avons comme mot-clé dramaturgie, pièce de théâtre, art. Art avec un S et merci Guimauze. Parce que moi j'ai pas de livre d'art, les pièces de théâtre que j'ai, je les ai déjà toutes lues. J'ai vraiment pas envie de les relire honnêtement. Donc elle disait que les bandes dessinées, les mangas, c'est du dessin, c'est une forme d'art, donc ça rentrait. Donc écoute, c'est super parce que du coup ça me permet de sortir ce manga qui traîne depuis plus d'un an dans ma palle. Il s'agit de Marie et la fleur de la sorcière, donc en plus on reste dans un petit thème halloweenesque avec sorcière dedans. Donc c'est un manga hein, qui est d'après le film de Hiromasa Yonebayashi, adapté du roman de Mary Stewart. Alors, c'est l'été, Marie vient d'emménager chez sa grande-tante dans le village de Manoir Rouge. Dans la forêt, la fillette découvre une fleur mystérieuse qui ne fleurit qu'une fois tous les 7 ans. On l'appelle la fleur de la sorcière. Pour une nuit seulement, grâce à cette fleur, Marie possédera des pouvoirs magiques et sera transportée à Andorre, l'école la plus renommée dans le monde de la magie qui s'élève au-dessus du ciel, au-delà des nuages. C'est là que l'aventure de Marie va commencer. Mais écoutez, bon, ça faisait un bail hein, que ça traînait. En plus, c'est un manga tout en couleurs. Là, franchement, j'étais juste obligée de craquer. Donc écoutez, je suis très contente de pouvoir le caser dans ce challenge. Ensuite, nous avons... Ah bah non, je me suis trompée, il y a 4 catégories également dans ce menu. Bah, j'ai rêvé, je pensais qu'il n'y en avait que 3. Non, en fait, il y a 3 menus. Je crois qu'il y avait 4 menus l'année dernière. Donc là, il n'y a que 3 menus, mais toujours 4 catégories. Pardon. Les écailles de Mélusine. Et là, en mot-clé, nous avons féminisme, transformation, métamorphose. Et donc moi, j'ai choisi de me focaliser sur le mot-clé féminisme en casant Vox, que voici. Donc voilà, pareil, hein, si vous me suivez, je l'ai acheté il n'y a pas très très longtemps. Donc je pense que lui, il est parfait pour illustrer le féminisme. 100 mots par jour. Depuis l'avènement au pouvoir d'un parti fondamentaliste, les femmes sont soumises à ce quota absurde. Un mot de plus, un seul, et le bracelet compteur qu'elle porte au poignet envoie une décharge électrique. Quelle horreur. Aussi, lorsque Jean McClellan se voit proposer de venir en aide au frère du président victime d'une aphasie, l'ex-docteur en neurosciences n'hésite-t-elle pas longtemps ? La récompense, la possibilité de s'affranchir et sa fille avec elle, de son quota de mots. Mais ce qu'elle va découvrir alors qu'elle recouvre la parole pourrait bien la laisser définitivement sans voix. Bon, écoutez, hein, je pense qu'on est, très bien là. Hein. Édition Pocket, Chris Nadalcher, je sais pas si j'ai précisé. Ouais, bon, moi, on était... Et je vous dis, voilà, celui-ci n'aurait aussi pu rentrer à mon sens dans les rêves d'Aurore pour le militantisme, je pense. En tout cas, pour moi, c'était sûr et certain qu'il rentrait pour le féminisme. Et en dernière catégorie, donc, nous avons Nausicaa de la Vallée du Vent. Nature Writing, écologie, nature, post-apo. Et là, bah écoutez, je me suis pas foulée. Hein. J'avais dit que je voulais le commencer. Je l'ai acheté très récemment, vous l'avez vu. Donc, j'ai casé Terre de Brume de Cindy Van Wilder. C'est un post-apo, donc c'est parfait. Et ce que je voulais le résumer en vitesse. Depuis l'enfance, Hera vit dans le sanctuaire des prêtres de l'eau où elle apprend à maîtriser sa magie pour devenir guerrière. Au cours d'une mission, elle rencontre Antissar,
un tissard, pardon. Une sœur de feu venue avertir les habitants d'un terrible danger, mais il est déjà trop tard. Une vague de brume peuplée de créatures ni mortes ni vivantes frappe le sanctuaire et elle frappera encore. Donc j'ai bien vérifié, hein, c'est un post-apo. Donc écoutez, voilà, ça me permet de commencer une nouvelle saga. Là. Et voilà, mais écoute, on a fini avec ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge 2020. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je commence à vraiment étouffer avec ma robe là. N'hésitez pas non plus à me partager votre pile à lire si vous avez une chaîne ou un blog, peu importe. Voilà, mettez-moi tout ça en commentaire. Ça me fera très plaisir d'aller voir un peu vos pas, d'aller voir vos suggestions à vous. S'il y en a que vous connaissez, donnez-moi votre avis sans me spoiler par pitié. Mais n'hésitez pas, hein, les coms, c'est fait pour ça. Encore une fois, j'espère que ce petit moment passé avec moi vous a plu. Donc n'hésitez pas, si c'est le cas, à liker la vidéo, à vous abonner, ça se passe juste en dessous. Et puis, bah écoutez, je vous fais comme d'habitude plein de gros gros bisous. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Et bon Pumpkin Challenge à vous si vous le faites. Mouah ! Bisous, ciao !